Oh les amis! Du coup, explique-moi ce que tu voulais m'expliquer! En gros, genre, donc un mec, genre, il prend des trajets Uber, genre, presque gratuits. Pourquoi? En fait, en gros, il y a un truc. Non, mais je sais pas si c'est un truc sérieux ou pas, en fait. C'est pas sérieux, mec, attends. Je crois que c'est sérieux ce mec, hein. Genre, attends. Non, mais attends. Genre, comment déjà tu peux avoir des trajets Uber gratuits? Mais en gros, genre, vas-y, cherche-le. Oui, voilà. Ok. je vais check, hein. Je vais check la chose. Et en gros. Genre, ça, c'est OP. Ouais. Donc, le code, très bien. Et du coup, il envoie à plusieurs personnes. Ouais. Et du coup, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y en a un qui utilise, il est à 20 balles en moins. C'est ça, non? Le mec, c'est abusé. En gros, il faut savoir que le jeune a mis un tweet, du coup, ouais. Parlant justement de Uber et de ce qui dit que tous ceux qui veulent faire leur première course à Uber, utilisez mon code promo, vous aurez aussi des codes des 0 de réduction. Et du coup, si jamais il utilise ceci, je me demande combien il a. Et du coup, si tu dis qu'il a 20 euros à genre chaque inscription, à chaque mec qui commence sa première course. Mais ça, moi, je trouve ça OP. Mais ça me paraît très bizarre. Mais je trouve ça insane, tu vois. Ouais, genre, ouais. Mec, il est là, il se balade, il fait ce qu'il veut. C'est archi drôle. Putain, je suis encore contre Daryu. Putain, c'est la même composition, mec. C'est le même mec. Ouais. Par contre, là, genre, j'aurais préféré reprendre mon Renek limite. Juste que tout à l'heure, j'ai été unlucky. J'ai pas été ouf en même temps. Mais Poppy contre Daryu, par contre, là, c'est pas ouf. Ah, c'est vraiment pas ouf. Non, là, cette game, je la sens pas. On va perdre. Bah, déjà, mec, on a Ezreal AD. On a Nautilus Jungle. Non, on a Ezreal mid. Ah ouais? Ah oui, Ezreal AP mid. Ah! Ah d'accord, ouais très bien. Bon jeu. C'est la merde. On va voir. Alors du coup c'est pour ça que j'ai pris Poppy, tu vois, je vais m'éclater un peu. Même si en gros Poppy, c'est un champion qui est fort en ce moment. C'est surtout un champion qui est fun à jouer. Et du coup j'ai envie de jouer champion. Je vais faire Flash Z sur Lucian et je vais l'empêcher de bouger. Flash Z. Et je vais rester à côté de lui. C'est grave bien. Par contre il n'y a que Lucian Dash, du coup ça me casse les couilles. Donc pourquoi on a un disco nulu? Putain frère. Non il va dodge. Si il dodge pas je m'en fous, je me casse. Tu peux pas. Oh t'en fous, t'as plus de 10 points de façon. Non je peux. Là de façon t'en fous, en gros si tu perds, c'est pareil. Ah ouais, ça dodge avant. Sauf s'il dodgeait pas, je peux barrer. Non, mais vraiment, genre j'aurais laissé le stream, je serais parti. Mec un bon nulu. Non mais les gens m'auraient compris. Non. Soy boy pas. Normal. Non. Si. Genre disco nunu. Je crois que disco nunu c'est tiltant. Ah, les gens auraient compris. Disco nunu c'est tiltant de ouf, je suis d'accord. Les gens auraient compris. Ouais, je peux comprendre aussi. Bref, top. Donc je vais rejouer Poffly. Poffly c'est bien. Ah, dans 2 semaines il y a The Undread qui reprend. Est-ce que tu as regardé la saison Est-ce que tu as regardé la série? J'ai regardé The Undread, ouais. J'ai regardé, ouais, j'ai bien aimé. Et du coup ça reprend dans 2 semaines apparemment. Je regarderai. À voir. Parce qu'en gros j'avais bien aimé, tu vois. Donc l'ambiance c'était ouais, cool. C'est sympa. Tu vois, c'est genre tu te poses devant, c'est sympa. C'est pas genre en mode c'est le truc de ouf, tu vois. De toute façon, comme je t'ai dit dans le coin de docteur hier, y'a rien, tu vois, qui m'interpelle de ouf. Y'a pas de série où je me suis dit putain, c'est la folie, la meilleure série du monde. Ouais, non, genre. Tu vois. Genre souvent je regarde des séries, je me dis ah, c'est bien, c'est cool, je regarde. Comme Game of Thrones, ce genre de choses, tu vois. Du coup, et du coup, pareil pour The Undread. Donc là, j'ai hâte de revoir un peu. On peut le regarder The Undread avec Briggles. Ah oui, c'est vrai, on regardait ça dans l'Open Space à l'époque. Dans l'Open Space, on mettait le son à fond. Tout. On mettait ça après les Team EC. Et pourquoi vous rentriez pas? Hein? Après les Team EC, vous rentrez? Non, bah t'es The Undread. Très bien. Bah écoute, pourquoi pas? Quelle différence? Bah t'es chez toi dans ton lit, tu regardes The Undread ou sur une chaise? Non, mais là, on regarde The Undread posé. On discutait, on rigolait. Ouais, j'avoue, c'est vrai. C'est vrai que Brongle c'était gentil, mine de rien. Ouais, même bien sûr. Même s'il s'est fait pas mal trash un peu, ou, tu vois, sur la communauté League of Legends française. Yeah, I know. Parce que bon, au bout d'un moment, il était quand même descendu D3 à l'époque où personne n'était D3. Was not like, well good. À l'époque où il était genre master, tu vois, il était bon, tu vois. À une époque, il était fort, tu vois. Ouais, même bien sûr. Puis après, il a fait bon, bah, je m'en fous, je joue au poker quoi, lol. Après, dès l'instant où j'ai commencé à jouer mieux de ses clus, ça allait plus. C'est que c'est parti en fait. Il y a eu un problème, c'est vrai que là ça va partir. Oh, par contre, j'adore jouer Poppy contre Vayne. Bah il peut pas dash. Ça ira bien. Je comprends. Ils ont ban Malphi. Il veut le support, vas-y Jugo. Jugo top. Top. Voilà. Parce que bon, je vais pas trop jungle Poppy, je sais pas trop ce que ça vaut. Apparemment c'est fort, mais je sais pas si c'est si fort que ça, tu vois. On peut tester. Donc bon, ouais, à tester. Regardez Twitter, 10 000 caractères bientôt. 10 000 par poste. Bah du coup en gros tu mets ce que tu veux quoi quasiment. 10 000 mec, faut le remplir quand même. Ouais mais genre c'est-à-dire que t'as plus de limite en fait. Oui ça en fait. Du coup c'est un post Facebook quoi. Qu'en penses-tu? M'en fous.
Genre je trouve ça ok tu vois, genre parce que des fois j'en avais marre. Moi je crois que je vais unfollow là les gens. Ah oui mec, mais après genre ça dépend tu vois, si en gros ça montre 140 caractères et après tu mets HFG à la suite. Ah fou. Peut-être. Bah mec si on s'est chiant mec, t'es là 110 000 caractères, le mec il te fait un roman. Ça va, c'est avant de voir bah, le Facebook, prochain post. Facebook c'est comme ça hein. Non, Facebook t'as affiché à la suite. Ouais aussi. Mais t'en as quand même 300 000 d'affichés avant tu vois. Genre regarde, un gros post, j'essaie de trouver un gros gros pavé. Un énorme pavé tu vois genre. Genre déjà ça c'est ouais. Trop tu vois. Non ça c'est ok tu vois. Ça c'est sur Twitter. Genre t'as genre 7 lignes. Genre ça va. Mec. Cette ligne c'est ok tu vois, genre, tu vois ça le prend pas genre, imaginons c'est pas comme si genre c'était un pavé tu vois, imaginons ton pavé que t'as fait pour la nouvelle année, imagine il s'affiche ouais. Entièrement, imagine tout ça, déjà ça m'ouvre un nouvel onglet carrément frère, t'as fait un post, ça m'ouvre un nouvel onglet, imagine ça. Mais ça je pourrais le mettre sur Twitter tu vois, c'est ça. Oui tu peux mais genre tu vois t'es obligé de mettre afficher la suite et du coup ça tu vois, là tu vois on voit que 6 lignes, ça te bouffe pas le truc. Maintenant je trouve ça ok, après ça dépend si t'en as qui commencent à te raconter leur vie entière et tout. Là, tu peux unfollow les gens, ça casse les couilles. Mais là, tu vois, dans l'idée, tant que c'est pas abusé, tant que ça ne te dérange pas au visuel direct, ça va. Donc c'est ok. Il y a un tweet très drôle en rapport à ça. En gros, le mec avait affiché un gros blabla sur les 140 caractères d'aujourd'hui ouais. En mettant 1 sur 152. 1 sur 252 ? What ? Sur 152. En gros, il y aura 150 fois de plus de 140 en fait. Ah oui, mais mec, ça va monter à 10 000. Et du coup, en gros, c'était un message, et le premier message sur 152 en fait. Un mec. Donc, tu vas lire ça 152 fois. Non, mais non, lire, genre, tu sais, il y en a beaucoup qui vont être en mode, mais je m'en bats les couilles de ce que tu me dis, tu sais, genre, oui, genre vraiment. Hein. Par contre, je suis contre German Top, je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas trop, ça fait longtemps que j'ai pas joué contre un German Top, honnêtement. Je vais voir. Après, ça fait un petit moment que j'ai pas joué au Poppy depuis mon retour de vacances, c'est la première fois que j'ai rejoué. Oh. Qu'on va voir. Mais après, tu vois, avant les vacances, je les spam, mais un truc de ouf. Ah, mais t'es nerf. Genre, quoi ? Non, genre, tu sais, genre, il m'a fait flipper, tu sais, imagine, tu sais, il y a eu un genre. C'est pas. Un hotfix, genre en mode Poppy trop fumé, hotfix. Non, non, t'es fou. Fais pas peur comme ça, t'es malade. Non, mais c'est pas ouf, Poppy. Hein. C'est fort, hein. Bon, c'est ok. Ouais, genre, voilà, c'est pas OP, tu vois. Genre, je pense que c'est bien. Oh, je suis d'accord. Non, mais. Putain ! Bruh. Ils forcent les mecs aussi, ça va. On a mis 3 minutes de pub tout à l'heure, putain, faut qu'on rentable au bout d'un moment là, faut qu'on parte en game. Ça va plus là. Non mais oh, elle est plus casse-couille, les féministes ou les végans? Les végans ils sont chiants. J'ai des végans. Disons que les... Mec, j'ai des végans dans ma liste d'amis Facebook et je regarde ces posts juste pour rire. Parce que c'est... Ils forcent mec. Mec c'est en les gros, plus grands gros, forceurs le, de l'histoire. Le problème c'est qu'ils te racontent tout le temps que tu as tort. Oui. Les féministes pas tant que ça. Non. Tu vois? Ouais c'est vrai. Du coup les végans sont pires. Mais après tu vois les végans, ouais, genre je comprends leur état d'esprit, je comprends leur truc en mode faut pas tuer les animaux, c'est pas bien que ça. Je comprends tout à fait. Mais le truc c'est que c'est déjà fait et certes on peut changer les choses, mais tu vois genre en vrai la communauté est tellement ancrée que même si tu montes ta voix comme ça, ça changera pas le tout tu vois. Et d'un côté j'aime la viande donc bon qu'est-ce que tu veux que je te dise. Alors d'un côté ouais, moi je n'ai pas d'opinion sur tout ça. Genre moi j'aime la viande et tu vois j'aime bien les animaux mais je suis pas un grand fanatique des animaux, tu vois, genre, j'aime pas spécialement ça, tu vois. Genre, je trouve ça mignon, mais je suis pas en mode c'est la folie, tu vois. En même temps, je suis asiatique, donc bon, tiens de là. C'est que le fait d'asiatique des animaux, bon, c'est pas le grand amour. Putain, ils ont man poflie. Par contre, c'est quoi ce numéro? J'ai déjà vu ce numéro plusieurs fois. Genre, après, les gens c'est le numéro de carte bancaire de Kamel. Putain, mais c'est ça? Avec les trois numéros à la fin, mais c'est lui. Et là, tu sais, tu lui parles. Tu fais yeah, pas mal. Mec, c'est terrible. Ok, c'est un main AD carry du coup. Et du coup, débat les gars. Les féministes ou les végans sont les plus chiants? Je vois Ernesty qui met les féministes by far. Moi je pense que c'est les végans. Personnellement, les végans. Je sais pas. Genre. Ça dépend, il y a féministes et féministes, tu vois. Comme il y a. Enfin. Oui, végans et végans quoi. Ouais, mais genre il y a des. Je sais pas. Non, tu sais pas. Je pense qu'il y a pire, tu vois. Que les deux. Je pense qu'il y a pire. Oui, la raciste. Ouais, genre déjà, ouais, voilà. D'accord, non mais oui, dans ce cas-là, oui. Mais dans l'idée, tu vois, dans les deux, faut bien en choisir un, quoi. Essaye de choisir un des deux. Entre le féministe et les végans. Les féministes végans. Les féministes ne cherchent pas directement à changer ton style de vie. Ouais. Oui, c'est vrai. Elles cherchent à changer les idées. Oui. Mais d'un côté, tu vois, genre en plus, les féministes, quand elles te parlent d'idées ou quoi que ce soit, tu vois, c'est. Ok, parfois elles disent, il n'y a pas d'égalité homme-femme, etc. Puis une féministe, tu l'emmènes au resto manger un
un steak avec un vin rouge, elle est contente. Elle est contente. Et même, et elle paye sa part même. Vas-y, ça m'est archi bien. Vu qu'en gros, bah, elles veulent pas que ce soit les hommes qui payent. Allez. Donc, du coup, elle veut pas que ce soit que les hommes qui fassent tout et qui soient justement. Ah ouais. Reconnu socialement. Après, je suis pas trop dans le délire. Hein. Genre, je vais pas vous mentir, tu vois, je suis pas là en mode. Ah bah écoutez, là, j'ai fait une analyse des potes. Non, non, je suis pas, dans le délire. Je peux te pique pour toi, bro. Je suis pas trop envie de pique là maintenant. Là. Je suis pas support. Si t'es support, frère. De moi, MF. Non, mais l'autre, il a des carrés, je crois. Quoi? Genre, le premier a des carrés. Et je vais où, moi? Je vais jungle. Bah, jungle? C'est moi qui nade? Ouais, ban. Donne-moi. Pexé? Non, j'aime pas trop. Qu'est-ce qu'il y a de fort? Y'a pas de pique hein mec hein. Rexé c'est fort hein. Après tu peux jouer Kayle. Vas-y choisis vite hein, frère. Donne-moi Echo. Ok. Mec il a FK. Oh il a FK. Ah oh, non il a pris kill, okay, c'est bon. Ok Kayle c'est pas ouf. Très très nul. Et donc voilà, donc on est d'accord. On est d'accord que les féministes ça va. Elle va te demander pourquoi tu manges du bœuf et pas de la vache. Pourquoi toujours les hommes. Ça c'est le sex forcing, ça. Ah ouais, ça c'est grave du forcing. Ça c'est pas une féministe, c'est une conne. Oui, voilà, ça serait différent. Ah, aussi. Une féministe elle est en mode genre pourquoi les femmes sont moins payées que les hommes au même boulot. Et ça, je suis d'accord, pourquoi. D'un côté, je peux comprendre, tu vois. Bon, après, les végans ils disent pourquoi on tue des animaux, voilà, qui sont justement maltraités, etc. Pourquoi. Je suis d'accord aussi. Mais les végans ils forcent, mec. Genre les végans ils sont là en mode. Du coup, toi t'es d'accord avec tout le monde en fait. Non, mais je comprends, tu vois, je comprends leur avis. Et juste, c'est pas pour autant que. Ça va changer ma manière de faire, tu vois. Je le comprends. Et je me dis qu'ils ont peut-être raison dans certains sens. Mais je vais pas être là en mode. Bah écoute, t'as grave raison. Écoute, oh ouais, je vais devenir végan, tu vois. Demain, je suis végan. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Moi, en vrai, je pense que ça me dérangerait pas de manger que des trucs végétaux. C'est possible. Il y a des trucs qui sont très bons. Je pense que ça me dérangerait pas. Oui. Non, mais c'est possible. Il doit y avoir des trucs très bons. Mais après, le truc, c'est que en gros, je pense que ce serait pas dérangeant si seulement c'était plus développé. Vu qu'en gros, là, trouver des trucs que végétaux partout, partout. Si jamais tu veux manger genre des trucs à substances différentes, avec des goûts différents, je pense que tu vois, tu dois aller chercher un petit peu à des endroits. Tu vois, tu peux pas manger tout ça genre à Carrefour, tu vois. Je sais pas, tu vois, je pense. Tu vois, si tu veux vraiment changer le tout, tu veux vraiment changer tous les jours et voilà, France, faire chaud, des petites, ouais. Des petits plaisirs par moment. Okay. Je pense que c'est. Non, chaud. Je vois ce que tu veux dire. Okay. Alors que de la viande, bah, gros... écoute, tu peux trouver de la viande, genre viande rouge, viande blanche, tout ça partout, tu vois. Après les légumes aussi, tu me diras, mais. En gros, tu peux genre. En fait, tu peux manger que des fruits et légumes et n'avoir aucune carence, tu vois. Oui, bien sûr. De base, l'être humain. En fait, moi, c'est un truc qu'on m'a dit. Une fois qu'on m'a dit, et j'ai trouvé ça super intéressant. C'est en gros. C'est moi, Renek. Renek ? Ah ouais, okay. Je m'en bats les couilles, j'étais. C'est en gros. Donc, on dit que l'être humain est omnivore. Oui. Mais. Enfin, c'est-à-dire que, donc, du coup. En gros, c'est simple. Tu prends un enfant de, je sais pas, 2-3 ans, tu vois. Un enfant, voilà, qui. C'est marché et tout ça. Tu lui donnes une pomme et un lapin. Oui. Est-ce qu'il va manger le lapin? Bah non. Tu vois, et c'est ça c'est intéressant, tu vois. Tu te dis, du coup, l'homme, en tout cas l'être humain, n'est pas, de base en tout cas, attiré par la carnation, tu vois. Il n'a pas forcément envie de chercher à tuer pour se nourrir. Non, je suis d'accord. Et je trouve ça très intéressant. Alors je ne dis pas que moi je n'ai aucune opinion sur tout ça, mais je trouve que cette situation-là, et est intéressante à analyser. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Non, mais en gros, de base. Après, par contre, ton gamin ça va. Décapite le lapin et commence à le grailler. Et après, tu vois, okay. je sais pas comment les humains se sont développés de ce sens-là, tu vois, de cette manière, tu vois. Avec la chasse. En gros, ouais. Voilà, c'est la chasse en fait qui fait que ils voulaient découvrir de nouvelles choses, j'imagine. Enfin, dans l'idée, alors, tu vois, je pense que c'est ça. Il y a peut-être des terres qui n'étaient pas cultivables ou j'en sais rien, oui, tu vois. C'est, moi, ça, aussi. C'est aussi fortement probable, tu vois. Et c'est aussi possible qu'ils cherchaient aussi de nouvelles saveurs, tu vois, d'un côté. Aussi, quand je regarde nos dents, on a des petites dents, tu vois. On a des dents qui sont pas faites pour lacérer, tu vois. T'as pas vu mes dents. Non, mais en gros, t'es pas un crocodile, tu vois ce que je veux dire. T'es pas genre un. Non, mais oui. Mal énervé. Je comprends bien. Du coup, je trouve ça intéressant, voilà. Ok. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Mais de base, je pense que. On s'est développé juste à cause de difficultés d'environnement et tout, hein. Je pense que c'est surtout à cause de ça. Ouais. Après, c'est vrai que moi, c'est possible qu'en enfant, je mange le lapin, quoi. Genre, comme le dit mon cher ami Rudy, fort probable que je mange le lapin, quoi. Genre, parce que c'est bon le lapin. Genre, mec. J'avoue, le lapin, c'est ouf. Mais bon, après, bien entendu, la vie est faite ainsi et on a été éduqués comme ça, en fait, c'est tout. Un bébé lion va pas tuer une gazelle. Non, mais ça, c'est différent, genre, en fait. Parce que le lapin, c'est comme si tu dis un bébé va pas tuer une girafe, forcément. Mais genre, le lapin, c'est un animal qui est petit.
tu vois. Là où, bah, je pense qu'un bébé lion, tu lui donnes un. Alors, faut trouver un... Bah, un. Tu lui donnes un lapin. Je pense que le lion, il gobe le lapin, tu vois. Genre, je pense. Après, je suis pas expert en lion, mais. Je suis expert en lion, t'inquiète. J'ai regardé le roi lion plusieurs fois. Je grave chaud. Si tu donnes un animal qui est plus petit que lui. Oui. Je pense qu'il le défonce, tu vois. Oui, je suis d'accord. Non, mais je pense oui. Hein, je voilà, je pense, que pas oui. Trop, mais. Ouais, ça dépend s'il est élevé par Timon et Pumba. Quoi? Ça dépend s'il est élevé par Timon et Pumba, quoi. Ah oui, après, bien, c'est ça. Forcément. Forcément, ça, c'est compliqué. Voilà. Machette ou talisman? Talisman, toujours. Ouais. Talisman OP. Genre vraiment. Je sais pas. Si, je te jure. Tu sais que les deux passifs, c'est pas les mêmes? Oui, je sais. Non, mais genre. En fait. Tu sais, les passifs donnent 15 XP. C'est un Listermid, là? Qu'ils ont? Ouais. Top. Ok. Et en gros, les deux passifs donnent 15 XP. Okay. Et du coup, les deux sont cumulables en fait. Ah ouais? Bah, je crois. Parce que moi, j'achète toujours les deux. Ça fait 30. Oui, ça fait 30 XP. Ok, et l'autre? Non, mais du coup, ça fait 30. Ouais. Donc, du coup, ça veut dire que les deux font 15. Donc, tu peux faire 15 et 15. Ok. Et en gros, tu peux ne pas finir ton item jungle entier, mais quand même avoir de l'XP total. Ah, du coup, ma stratégie du 3 camps, acheter la machette, revenir, faire le deuxième buff et OP. Parce que je faisais tout le temps. C'est ce que je faisais tout le temps. Et genre, j'ai essayé une game tout à l'heure avec ces Joanie où je l'ai pas faite. Bon, mon early s'est très mal passé. Ah ouais. Alors, bizarrement. C'était pas ouf. Après, j'avoue que c'était assez dur. Bon, au final, j'ai gagné parce que j'ai mis des R incroyables. Mais sinon, c'était pas ouf. D'ailleurs, après, j'ai envie de jouer un petit jungle. Là, je sais pas trop quel jungler je vais jouer. J'aime bien jouer jungle en vrai. C'est assez facile. Ouais, c'est marrant. Je trouve ça sympa. Par contre, la Janna a commencé au Q-spell. C'est pas très Mata, grave. Mon pote. C'est pas très très grave. Oui, ça va. It was your choice to ban Anivia. No. Nope. Rapide. Moi, j'avais écrit nope. Ah, j'avoue. Ah, donc il est parti sur bénédiction de l'aéromancien. Ah, c'est bien ça, la bénédiction de l'aéromancien, non? Ah, c'est fort. Genre sur AK, ça te permet de booster ton allié. Absolument. Ah, fort de absolument fou. Un choix très sage. Et du coup, c'est Alistar Top. Mais what the fuck, c'est... Il est parti sur lien de pied en plus. C'est pas une maîtrise de ouf. Attends, 4%. En soi, c'est pas nul. Ouais, non, je pense que c'est ok. Il va avoir du sustain en plus, ça va être chiant. C'est push, hein. Il a commencé au heal, intéressant. Non, il est star AP, marron. Ça va être un star full tanky, je pense. Genre vraiment full utilitaire. C'est quoi, je peux comprendre. Tout qui joue à l'Istar AP. Ah ouais? Bah, l'Istar AP, c'est bien, hein. Ça va. Genre, je trouve ça ok, tu vois. C'est pas nul à chier. Non, non, ça va. J'aime bien, moi. Genre, tu peux le jouer sans te faire insulter, t'es mort, quoi. J'espère. Par contre, tenir la lane, heureusement qu'il a pris une armure d'étoffe, hein. Défense. Avec oui. Tu veux dire qu'Alistar, c'est pas fait pour être solo lane? Je crois que non. Après, faut que je fasse attention au Rengar. Du coup, c'est ça qui peut me casser les couilles. Ouais. Je déteste jouer contre un Rengar. Comprends. Moi aussi. Rengar, ça snowball de ouf. C'est chiant. Yeah, it's strong. Ce qui est bien avec Renekton, c'est ça. Tu mets Z et t'as fait proc le décret. C'est grave fort. Avec juste Z? Z Führer, ça fait 3 autos. Eh mec, grave fumé. Ah oui, oui! Ah oui, 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 oui! Ah, ça que c'est bien. Bon, Kate in Budge, j'en pense pas grand chose, moi perso. Je trouve ça faible. On verra bien. Prendre Jarvanid, je sais pas quoi. Jarvanid, je pense pas que ce soit si dégueu que ça, honnêtement. Non, ça va. Si c'était tellement bon, c'est chiant, tu sais, jouer contre Alistar. Alistar? Ouais, il sustain de ouf là, tout à l'heure. Il fait que ça. Ouais. Il force sur le sustain. Bon. Et là, attention, il s'appelle. Il a plus qu'une potion. Il y a peut-être moyen d'aller chercher là. Faut que je fasse attention quand même au Rengo encore. Je full push depuis tout à l'heure, mais du coup, il n'y a pas trop de follow-up sur le gank. C'est parfait. Tu viens dive, bro? Je pense qu'il y a moyen de dive easy. Dive carrément. Alors laisse-moi le push vite fait avant. Essayer de le poke avant aussi. Surtout. Pas level 6 hein. Genre dive. Oh mec, dive easy. Ouais. Ah oui. Il a plus de potions. Ok. Fais attention quand même qu'il utilise ses spells avant. Et surtout faut que fasse attention s'il n'y a pas le Rengar. Y'a pas de mana mec. C'est pas bardé hein. Vas-y. Fais un grand tour hein. Je fais confiance. Vas-y, il va back. Ah dommage. Ça aura pas je pense. Ok dommage, j'ai pas le temps de mettre le spell. Non c'est bon, t'as eu raison.
Faut qu'on arrive à lui faire perdre un peu de creep là. Pas mal. Ouais. Il va TP je pense pour venir, ce sera bon. Ok, ça arrive, fais gaffe. Ça te barre. Ok. Ok, bon. Ça va, on lui dit Naimas XP au top. Ouais, c'est bien celui. Il a 11 creep. Il a 11 creep. Ouais. je sais pas ce que c'est son projet. Mec, je sais pas ce qu'il veut avec son Alistar. Genre vraiment, il a du misclick, un truc comme ça. Mais non, parce que la game d'avant, il le voulait aussi. Ah ouais, Alistar top. Ouais. La game que ça a dodge, il avait piqué Alistar. C'est grave chelou, mec. Enfin, hein. Il a piqué Alistar support, mais. Ah oui, non, mais Alistar support, ça va, tu vois. Alistar support, c'est fort. Oui, mais... non, mais genre, il veut vraiment jouer Alistar, quoi. Le mec, tout sa vie, il est en mode. Oh là là, ça, c'est mon pick, ça. Il est level 5, le hangar. Il est sur le gomp. Tu le vois. T'es sous le 5, toi? Ouais, t'es. Ça va, ça va. T'es un peu late par rapport au Rengo. Le Rengo il va pas tarder à passer 6 je pense en plus hein. Non. Genre il doit être 5, 1 quart tu vois. À force. Mets un petit peu la petite douille. Ne t'inquiète pas. Ok. Je te fais confiance. Et en plus Alistar AP c'est fort tu vois. À l'époque c'était les mêmes OP. Ouais. Au top. Je me rappelle. Je me faisais défoncer par des Alistar top, je comprenais pas. Et Alistar Triforce aussi. Oui. Et je me suis rendu compte que c'était OP. Tout le monde m'a dit que c'était OP. J'ai fait ah, très bien. Je comprends mieux. Et du coup, je commençais à le bannir et je l'ai joué une fois et j'avais totalement carré ma game. J'étais en mode mon champion. C'était marrant, Alistar. Mais non, surtout. C'est pas marrant, mais un perso OP. C'était drôle. Un perso OP, mec. Quel monde c'est marrant un perso OP comme ça. Après, j'avoue que j'ai joué Riven à l'époque, c'était OP. Et Fiora aussi. Tu me dis, c'est quel monde c'est marrant un perso OP, tu joues que ça, tu sais. Oui. Je joue Renek là, tu vois. C'est vrai. Y'a aucune race. Moi, tu vois, je joue Echo. Oui, Echo, c'est pas ouf. Genre, Echo, 6 mois après qu'il soit. Après qu'il pue les morts, c'est ça? Ouais, ça y est. C'est bien ça. Je t'ai payé. J'arrive. Ouais. Large. Ça, c'est tellement cadeau ou pas? Ringa. Ringo. Nice. Hop, job. Bonne petite TP dans le dos. Je vais pouvoir maintenant back. Et voilà, mon pote. Tout ceci est parfait. Par contre j'ai plus de TP du coup c'est chiant mais je pense que c'est rentable. J'ai envie de te dire que ça l'est. En plus il met 3 en push mais que c'est 100% worse. Ah merde. Okay. Bon ça va. Ça fait du 1 pour un 1 pour un mid. C'est ok. No flash ignite mid, essaye de go du coup mid prochainement. Le star est parti quoi? Deuxième armure d'étoffe, parfait. Ouais, il part sur le cœur gelé. Ouais ça m'étonne pas. J'ai au cœur gelé sur le star, c'est bien. Ouais c'est ok. Pas mal. Après on est comme sur Alistar top hein, je te le rappelle. Oui, oui. Je vais me le rappeler hein, je sais que ça pue la merde hein, regarde. Il a utilisé son ultime très bien. Mec, ça pue la merde mec. Tu crois qu'il s'amuse ou pas? Ça pue la merde mec son pic, il est nul à chier, genre vraiment. Oh, c'est terrible, genre j'ai de la peine de jouer contre ça. Carrément. Genre là il peut pas farm, mais genre je le push, il va devoir utiliser sa TP pour venir au top. S'il ne l'a pas déjà fait, sinon il perd trop d'XP. Mec, son pick est nul. Je mets 30 creep alors que j'ai TP bot. T'es un monstre. Son pick qui pue. Non, t'es un monstre. En plus, je suis un peu un monstre, mais son pick est aussi très nul. Et du coup, tant mieux. Jarvan Chamat, ok. Classique. Au top, il a perdu max XP encore. Putain, il avait pas sa TP en plus, mais merde! Mais merde, il a mis un Z sur un creep, il a pas tué! Putain, mais! Son pick est nul! Je suis sûr que c'est pas si mal. Non, mais je pense que c'est bien, mais ça dépend comment tu joues. Tu joues pas full tank comme ça, tu vois. Là, il peut prendre aucun trade. Genre, c'est absolument impossible pour lui de prendre un trade. C'est pas. Tu vois, c'est. Y'a mieux, je veux dire. Bon. Rien de flash. Bon, je pense qu'il regarde en plus. Il a plus d'ulti, hein, le Alistar. C'est assez easy. Et bon. Donc j'attends ma TP pour essayer d'aller bot ensuite. Ça va être un bon programme. Je vais de toute façon essayer de camper le bot avec mes TP hein, de toute façon. Je vais les mid moi je pense. Sûrement Ringer mid. Il doit grave pas s'amuser le pauvre.
Il est là depuis tout à l'heure, il subit. Il se fait push. Oh non, arrête, s'il te plaît. Monsieur, oh monsieur, s'il vous plaît. Oh non, please. Bah, dis pas d'ulti. Hein. Ah, il a pas d'ulti. Là, il a peut-être récupéré depuis le temps, tu vois. Il a utilisé, genre, je sais pas c'est combien de temps. Il a, une, il a une épée. Il est parti sur une épée, putain. Darle. Il est mort. Oh, il est mort quand même. Il a rien qui arrive. T'as ton ultime ou pas? Ouais, ça va. On peut le tuer, je pense. On peut le tuer, là, large. S'il tente un truc, je régénère avec mon Q-spell, c'est bon. Ouais, pas le choix. Oh, j'ai eu peur quand même. J'ai eu peur du Rengar qui me saute, mais en fait, non. Genre, à quel moment j'ai flash pour rien? Je pensais pas qu'on allait tellement le, je pensais pas qu'on allait le défoncer ouais, comme on ça. On l'a éclaté, mec, c'était terrible. Mec, c'est. La Nekton sur une phase de 2v2, c'est pas dégueu, hein, honnêtement. En tout cas, son Alistar il marche grave bien, il est content. Vas-y, mec, on le dive si on peut. Hein. Il a pas de flash, il a nice, pas de flash. Nice. Vas-y, vas-y, j'arrive. Voilà, j'ai envie de te dire. Après, enfin, c'est pas pour me la ramener. Je veux pas faire le beau. Mais en Champ Select, j'ai dit pique moi Echo. Ouais, c'est vrai que t'as dit pique moi Echo la dernière seconde. Voilà quoi. C'est vrai que ça marche plutôt bien. Oh là, au bot. Ouh. Ouh. Ça a failli mal se partir là. Faut que je prenne la tour quand même. C'est bien de prendre une tour. Ouais, c'est pas mal. Duo top jungle, c'est bien. Mm-hmm. Ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien pour l'instant. Tiens, bah attends, tu attaques là. Putain, mais mec, son pique pue la merde. Je peux me permettre de prendre la tour devant ses yeux. Oui, il fait un flash. Et là, il est en. Oh non! Eh, hey, monsieur, arrêtez! J'ai hein. mis un combo! Ça suffit, mais arrêtez! S'il putain, vous plaît. Mec, c'est vraiment nul à chier. C'est terrible. Genre, je comprends pas pourquoi il a sorti ça. Je ne comprends pas. Ouais. Donc j'ai ma TP de up, je peux aller au bot s'il le faut. Essaye de camper bot maintenant, je pense qu'au top je suis safe. Je pense même que je mets un V2 si jamais le Rengar vient. Donc vas-y, reste là-bas. C'est très calme. Le Jarvan, bah du coup, il s'est fait totalement bolosser tout à l'heure. C'est parfait. Ah, j'arrive bot. Ok, ok, je TP. Ah, c'est pas ouf. Oh fuck. Non, c'est rien, je peux pas. Je peux pour rien du coup. J'aurais tellement aimé le mettre un petit flash dash là. Jarvan. Elle c'est chaud pour nous. C'est pas évident. Pas évident du tout là. Peut-être moyen, il y a le S qui est en train d'arriver. Nice, good job. Parfait. Ouais, ça pue la merde ça. Ouais non. Okay. Oh c'est 2 pour 1. Ouais 2 pour 1 ouais, hein, c'est worse. 2 pour 2, j'en ai peut-être morte. Ouais. Pas sûr. C'est possible. Oh non, il va me push ma tour, il va push très très vite avec son Alistar. Son Alistar épée longue. Non. Pourquoi? C'est le build millionnaire. Comme à la bêta. Putain, il va faire un cœur d'or. Merde alors le mec. Grave perdu. Oh, un petit red buff qui vient de respawn. Genre t'avais calculé. Grave pas. Il est passé. Il est grave de la chatte, il a respawn. Justement. A vous, ça faisait genre t'as calculé. Oui, ça faisait genre t'as calculé de ouf. Genre je me suis dit, oh putain il est chaud, il a mis le timing et tout, non. Non, j'ai l'homme joué, puissant. J'ai fait des jeux comme ça fraîche mec hein. C'est vrai, moi aussi. J'ai perdu mon Viewmaster d'ailleurs. Je me rappelle. Tu sais mon visage essaie de pas me trahir, tu sais. Comme au poker, j'ai fait genre je fais exprès. Genre mec c'était nul, genre t'es très mauvais au poker toi putain. Non en vrai ça va. C'est sûr, c'est sûr. Arrête, arrête. Non, non ça va. DVG. Genre on avait joué chez Valouz. Ouais. Ça va. Moi je suis un monstre. Mais je fais que parler, du coup je serais interdit en compétition. Genre je serais ban. Parce que je suis toxique as fuck. Mais genre quand je dis je suis toxique au poker, c'est incroyable. Flame. Je flame et tout, hein. Genre c'est fantastique mec. Je suis genre le contraire de ce que je suis sur LoL. Tu vois sur LoL, genre je suis le plus clean au monde, je pense. Ça va. Alors que mec au poker, je suis genre une pute, frère, c'est incroyable. Après, tu vois, genre j'aime pas le poker. Je comprends. Forcément, tu vois. Ouais, je comprends. Bonne genre, c'est un délire. Tu vois, moi, j'aime bien de temps en temps, mais genre, je pourrais pas en faire, genre en mode sérieux, tu vois. Ok, il y a le Jarvan là-bas. Il y a le Jarvan vers le blue buff. Je peux pas mettre de vision dessus, c'est chiant. Je casse trop les couilles depuis tout à l'heure. Ah, je squeeze le blue. Ah, bah, il va jouer les startups aussi, ça va. Le quoi, lui? J'arrive, hein. Vas-y, mais tranquille, je t'empole depuis tout à l'heure.
Faut faire attention, il y a peut-être le German qui pourra aller après. Ouais, je pense 103. Du coup, moi j'ai essayé juste de les faire chier. Ah, c'est bon, ils sont tirés. Tu peux le prendre? Ouais, c'est possible là, je pense. Peut-être moyen, le German avait plus tout le mana. Ok, on se tire. Je vais juste prendre le farm au top. J'ai ma TP dans 2 minutes. Bot, oh, c'est chiant. Alors, pas mal au niveau du farm. Votre équipe a détruit une tourelle. Ok, ça va. Bon, lui. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Ça passe. Avec son G-Star me courir dessus, je comprends pas, mec! Maintenant, il est parti sur un. Oh là là. Il est parti sur le truc pour faire la. Non, mais je sais pas ce qu'il fait, mec, laisse tomber. Le bâton séculaire. Ça marche pas. C'est grave drôle son build. Grave perdu dans le jeu. Ok, j'ai pas encore ma TP, bro, je peux pas faire grand chose là. Nice. Nice, bien joué. Soraka. Soraka, le bon pic. Chaud. C'est un petit peu compliqué là. Donc ouais, je suis mort. Il y a le German qui vient là. Mais bon dégâts, il a quoi? Il a hydrotinized déjà, il fait mal. Il fait mal mine de rien. Genre je m'attendais pas du tout à ce qu'il mette autant de dégâts. Le star m'a bien cessé. Et du coup bah là je pouvais pas faire grand chose. Donc je prends un tabi. Moi je prends un tabi mec, je vais grave tanker. Là je prends ouais, ça sera bien. Je vais prendre après un petit gage de stack. Il y a 7-9 quand même hein, c'est pas si gagné que ça hein. C'est close hein. Ouais c'est assez close là, mais là t'es bien dans ta game. Comment ça va? Tu fais mal. C'est bien, t'es level 12. Ezreal ça scale bien. C'est un des meilleurs. Ezreal, mec, je trouve ça trop fort. Par contre, c'est AZAP. Oui, non, mais justement. Ah ouais? Genre AZAP en late, c'est insane. Ok, moi je trouvais genre AZAD déjà insane en late. Alors AZAP, bon, je sais pas trop à quoi m'attendre. Parce que j'en ai pas souvent dans mes games en même temps. C'est archi fort. Mentir. En fait, c'est trop drôle. À chaque fois que je vois Alistar au top, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout le support ici? Je te cherche à mais qu'est-ce qu'il fout? Je vois arriver sur la map et je me dis, mais. Putain, ça rend bien hein. Et après, je me rappelle que c'est un Alistar top. Qui sert à rien. Pas mettre des headbutt. L'antimate ça peut être chiant. Seulement le Rengar, mais de bons dégâts ça peut être chiant. Faut faire attention quand même. J'aime le grand Alistar quoi. C'est vrai. Je peux essayer d'arriver mid. J'ai ma TP d'up s'il faut. Quel drag vite fait. En fait, je pense qu'il n'y a pas trop de. Le contest possible, hein. Le German décale pas. Ouais, ça va. La seule frayeur, moi, c'est le Rengar au top qui pourrait me faire chier. Donc, un peu gaffe là. Au bot, il faut que ça trade là. Faut que ça trade, j'ai ma TP. Ils ont peur. Ouais, je joue safe. Je sais pas trop quoi faire là depuis tout à l'heure. J'essaie juste de prendre du farm et tout, mais j'ai pas l'impression que c'est suffisant. Ah, il est parti sur une gloire du juste, mais mec, cet item a été nerf 22 fois! Ouais, il veut juste jouer genre tank utilitaire. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps que j'avais pas vu de gloire du juste, hein, putain! Ouais. Mec, l'item. Et toi, t'as fait la potion du chasseur? Ouais, ça c'est bien, mec. Hein. Ah, j'aime tellement pas la potion. Ah, c'est trop fort. Hein. Genre, au début, je trouvais ça vraiment nul, mais ouais. Genre, je sais pas s'ils l'ont up ou quoi, mais genre, c'est trop bien. Très bien, je crois que ça a pas été touché, mec. Je crois qu'ils l'ont up, moi. T'es sûr? Je sais pas, je crois. Oh, ça fait régène trop dit. En fait, sur tous les persos qui perdent des HP, genre toutes les Evelynn et tout, tu vois. Ok, il a activé sa gloire juste, il y a le German qui a essayé de me chase. Putain, leurs slows sont terribles. C'est vrai qu'il y a MF et, MF et Soraka quand même. C'est tranquille quand même. Nice. Easy. C'est vrai que j'ai joué un petit peu plus aggro maintenant qu'il a plus ultime là. C'est bien. Ah, en plus, je sais pas ce qu'il veut. Ah, il a tué. Okay. Il a tué Raka. Ça, c'est bien.
La plus ultime, c'est tellement le moment où je dois réussir à le tuer là. Tank trop mec. C'est abusé. Votre équipe va détruire une tourelle. Trop mal. Le star est là, il a plus trop de PV. Il va flasher le con. Sans ulti, j'aurais pas dû faire le beau avec lui, je pense. Ah, t'avais pas d'ulti? Non. J'ai eu envie quand même de. D'avoir Ringo par là, du coup. De m'ambiancer un peu. Bon, est-ce que je pars tanky? Je ne sais pas. Et de lui voler son bloom, hein. Je vais pas pouvoir le prendre, je pense. C'est bon. J'ai pris son blue buff, j'ai cédé la mid. Bon, je pars tanky ou pas? Ouais, ouais, pars tanky, mec. Je pense que c'est bien. On a 7 dégâts avec la team qu'on a, je pense. Prendre la T2, moi. Votre équipe a détruit une tourelle. Team. Ah, il l'a pas. Ah, mais à force. Ou alors il a vraiment pas de cooldown, quoi, mais. Il peut rien faire là, ouais, il fait grave mal mec. Il tank en plus hein. Non il a pas tant de dégâts tanky. Enfin il a pas de quoi tanker dans. Comment ils sont morts hein. Ils sont fait 2v2. Là ça fait 3 pour 1, ils ont réussi à avoir AK. La Caitlyn est en train de push au bot, ça va. On va dire que c'est ok. C'est pas ouf mais c'est ok. J'ai ma TP pour aller défendre au top. Le Rengar commence à faire mal hein. Mine de rien, Rengar est vraiment pas mal dans ce game. Et le Jarvan va commencer à faire peur aussi. Jarvan, ouais. Il saute sur un de nos carries, il disparaît. C'est sûr à 100%. Moi, il a fait super mal. En même temps, genre là, il fait vraiment trop de dégâts. Hein. Même de jeu, j'ai mes Homeguard du coup. Okay. Je vais les défendre, putain. Fait chier. Je suis level 14, c'est pas mal. J'ai pas encore mon flash par contre. J'ai plus de TP du coup. On va être décalé là, il faudrait qu'on aille qu'on arrive à groupe la soon, je pense. Ouais. J'ai mon gage de Starak moi. Le gage de stack va donner tellement là en teamfight. Oh, par contre là, oh, t'es tellement mort frère. Enfin, là, c'est pas trop le big fun pour toi. Non. Là c'était pas ouf. L'hydro titanesque, je sais pas trop comment je me rends pas compte de la puissance de l'hydro titanesque à chaque fois. J'ai envie de dire, ça fait genre grave mal. Mais genre, je me rends pas compte à quel point ça fait mal. Oh, les stats sont fortes déjà. Genre 450 HP et 50 d'attaque. C'est vrai que c'est insane. Ça, c'est un passif qui tape tout le temps tout droit. Oui. C'est pas mal. Faut qu'on arrive à tuer le Jarvan, mais le Jarvan il va être boosté par la Soraka. Il va être heal. Ça va pas être facile hein, cette game hein, je pense. Même si on était bien en early là. Ça va être un peu la merde. On a pris un Drake. Le prochain Drake est en 30 secondes. Il push bot. Ah, j'arrive pour Drake. Carapateur là. La Caitlyn est à. Ouais, elle est à 0-2-2. Hein. C'est pas si mec que ça. Hein. Non, notre buffet n'a pas très bien réussi à gérer. What the fuck? Je pense que je suis mort là. Voilà, il y a très clairement rien que je puisse faire. Ezreal peut être snipe en gars. Nice, nice, nice. C'est chaud. C'est parfait. Mec, c'est tellement bien, mec, ce qui s'est passé en fait. Mais bon, ça va, hein. Ça fait du 1 pour 1. Le Rengar, il est parti où? Le Rengar, il a eu sur moi après. Bon, du coup, ça va. Ils ont perdu mid life en essayant de me tuer. Rien que grâce à mes dégâts de zone. Oh. Oh. Merde, ça c'est pas ouf. Dans le team. Nice, good job. Avec ce perso, hein. Il s'en bat les couilles, c'est trop drôle. Est-ce que vous allez réussir à le tuer un moment? Ouais, il a pas de flash. Oh, GG. Tu sais qu'ils ont pas mis 30 ans à le tuer, le All-Star. C'est pas n'importe quoi cette merde. Non, ça va, c'est worse.
Je récupère le deuxième Drake. Tour au top. Les cris vont arriver ou pas hein. Ça va, je vais prendre masse farm au top là. C'est bon, c'est nice. Heureusement que Loez a mis un bon ultime parce que sinon j'aurais été très déçu. Hein. Il a bien joué. Il a mis beaucoup de dégâts de zone aussi lui aussi. Si mec, AP en late, genre c'est trop bien. Je sais pas pourquoi mais ça fait trop de dégâts. Ouais, je sais pas trop. Il a des bons ratios non? Je pense ouais. Donc le Jarvan l'autre là. Je mets 90 creeps mec au top, hein, mais juste. Je sens que c'est chaud avec le Jarvan et le. Jarvan et le Rengar. Ça peut arriver très vite sur moi. Votre tourelle a été détruite. Merde. Vraiment full AD quoi. Oui, je vais partir sur full armure après là. Un Frozen. Un Frozen, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a deux Drake à 14-14. On peut pas vraiment forcer de fight, j'ai l'impression, avec Soraka. Tu vois. C'est un peu galère à aller défoncer. Faut vraiment qu'on arrive à pick up un kill très vite. Le truc, c'est qu'ils peuvent temporiser de ouf avec genre Alistar et Jarvan là. Ça peut être chiant. On arrive à catch un gars. Bon, je sais pas. Mid. Je pense pas que ce soit si bien que ça le. Ah, en gros, si on groupe, on n'est pas sûr de win quoi. Donc, ouais. Après, si on groupe pas, on n'est pas sûr de win non plus. Tu vois. Regarde. Ouais, c'est pas mal. Dans le team, t'as tout. Ok, ça va. On sortait. Peut-être moyen, j'arrive. Et puis le Tiringar. Tiringar, c'est parfait. Ah, ils ont peur. Faut arriver, je pense. Push au top, y'a personne qui arrive là pour l'instant, c'est bon. Le truc c'est que j'ai déjà pris T2 tu vois moi. Je peux pas prendre beaucoup plus là. Ouais. Vas-y go push mid là maintenant. Oh elle. Oh elle a fait quoi elle? Elle push. Ok elle est mort. Vas-y, à moi. Yes. T'as flash? Oui. T'as pas de rage, putain. Attends, faut bien s'amuser un peu, moi je voulais un kill. Elle. Attends, non, je peux pas, bro, je suis trop loin, je suis trop loin. Let's go prendre la tour. Du coup, là, on peut, là, y'a plus de MF pour essayer de clean wave. Ils ont vraiment pas de clean wave en plus. Hein. Ouais. Jarvan, c'est pas terrible. Juste faire gaffe pour engage. Derrière. Oh, nice. Donc, ils sont sur moi. Mec, Jarvan. J'ai réussi à le stun. Non! T'attends le team, bro? C'est qu'on ne l'aura jamais, lui. Hein. C'est impossible qu'on l'ait un moment de notre vie. Hein. C'est vrai qu'elle est vraiment relou. Contre la Kelly ne fait pas de dégâts, quoi. Ah, je prends la tour aussi, on est trop con. Ouais, mais bon. T'allais forcer à l'engage en tous les cas. C'est ça, en fait. Bon. Attention, là. Heureusement qu'il a pas mis le combo. Faut back. Ça va? Faut back. Elle fait pas mal hein. Putain, je pensais qu'elle faisait un peu plus de dégâts que ça. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle retourne? Oh là là, elle y retourne. Je vais back, j'ai home guard. Je peux TP home guard si je back. Non, c'est chaud là, bon. Dommage, peut-être. Ah, il meurt pas, non. Oh, dommage. Je peux essayer de le choper, vas-y, je m'en bats les couilles. C'est chaud, mec. Hein. Pas le choix de toute façon. Hein. C'est bon là. Ouais, c'est vrai. Non! Soraka. Soraka. Ah ça, yes le king. Yes, mange tes morts, Soraka de merde. Y'a pas bon. Soraka, je fais doubler. Tu tues tout doublé. Ça, s'il y a pas Soraka. Putain. Bon ça va, j'ai une TP, j'en ai tué deux, c'est rentable. Ouais, c'est bien. C'est 100% rentable. Je vais partir sur quoi là? Plaque du mort, ça va être bien ça. Ouais, plaque du mort, ça va être bien, ouais. Ah oh, oui. Donc je suis level 16. Ça bien. Putain, il m'a cassé les couilles, hein. Genre mec, j'ai galéré. J'étais en mode, mais putain, faut qu'il meure. Et finalement c'est ok. Donc on a pris une T3. On arrive à les défoncer, je pense que. Yeah, probably. Ah, 10 secondes. What? But... Too late. Je peux pas. Too late là. Genre si on s'y était dirigé direct, ça aurait peut-être pu le faire, mais là... Là c'est un peu la merde.
Ah, j'aime trop jouer Renek, mec. C'est trop marrant, tu sais. Genre, t'es là, tu sautes partout, tu tankes et tu fais mal. Après, il y a mieux, mec, hein, vraiment. Genre, 1000 fois mieux, tu vois. En top? Ah oui. Genre, mec, tu mets déjà tous les tanks, tu mets Malphite, tu mets Mundo. Ouais, ouais. Grave mieux. Même Tam Kench top, bref, mec, c'est chiant, hein. Ah, mais genre, pour Bolos la lane, y'a pas mieux. Ah non, pour Bolos la lane. Genre, tu mets un Malphite contre un Renek. Oui, il fait rien. Mais après, bon, tu le tues pas, quoi. Même avec ton Renek, tu le tues pas, quoi. C'est sûr. Non, ils vont peut-être faire Nash, du coup. Quoi? Ah. Ouais, c'est possible, ils s'y dirigent pas mal, là. Non, c'est bon, cancel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont cancel. C'est le troisième, c'est bien, quoi. Ils ont cancel. Non, on y va, on s'en fout. Faut y aller. Ok, non, c'est bon. C'est bon. Ils prennent la vision, quoi. Ouais, ça peut être chiant, hein. S'ils le faisaient, du coup. Ils peuvent le faire, mec. Hein. Faut y aller. Ils le font. Faut y aller, j'ai ma trinket bleue. Si jamais il faut. La trinket bleue, c'est tellement OP. C'est bon, ils peuvent pas. Un gars ulti. Ok, parfait. Ulti, ouais. Faut faire attention au combo. J'ai pas de dash encore. Oh, c'est le silence, ça se casse les couilles, frère. On peut pas. Oh, je peux tellement rien faire, frère. Genre, je me suis fait silence, la Caitlyn s'est fait avoir par le Rengar. Et du coup, c'était un peu la merde. Bon flash quand même de la part du. Oh, de la part du Ez, mais pas suffisant. Là, 2-0, ils vont faire Nashor là, c'est sûr. Faut que le Ez arrive à poke. J'essaie de focus le Jarvan direct, mais je sens que c'est un petit peu galère, mine de rien. Ah, c'est bien, c'est juste de le cancel, c'est bien. Ouais, je sais. Ça va être compliqué là. C'est très compliqué de les cancel. Nice. Sans t'as pas le choix, hein. C'était bien joué. Oh non. Okay, ça. T'en as eu deux, vous avez réussi à tomber deux buff Nashor, c'est pas mal. Voilà, on est fog. C'est quoi ton champion? Tu peux la burst là? Non, je pense pas. Et Meloto, tu meurs. Et de te suicider, t'as raison. Rengo! J'essaie de faire ce que j'ai pu, mais. Non, t'as bien joué. Donc, t'as réussi à tomber deux buffs Nashor. Bon, la game est chaude quand même. Hein. Clairement. Genre là, on manque de tankiness, ils ont beaucoup trop de dégâts. Après, je suis Renek, tu vois, donc ça va, je tank il base, mais. Alors, peut-être pas assez, quoi. Ouais. C'est vrai que la Kate. Caitlyn, c'est. La Kate est pas ouf quoi. Elle a 0-4-4. Après, hier j'ai eu une Caitlyn qui a fait genre 2-13-0. Ouais. On a gagné donc ça. Ah ouais, ouais genre, fou. Mais. Genre, on a joué sans... droit à la fin. On a joué sans AD carry. À ce moment-là genre, mec, on a joué sans ADC. Genre, tous les fights ils mouraient. c'est en fait, terrible, non. Hein. C'est, ils mouraient avant les fights, tu vois. Du coup, t'es 4v5 à chaque fois, c'était marrant. C'est juste de push un peu à chaque fois. Ouais, mais ils ont trop d'hard engage, j'avoue. Ouais, je sais pas. Après, ça va, tu vois, genre, normalement, ça se gère, hein. Oh là là, mec, il s'en bat les couilles. Le Rengar, il a réussi à assassiner là. Le Ez. Alors qu'ils étaient 3 dessus. Ils étaient 3 groupés. Il a réussi à assassiner. Il va être là en fait. Tu en viens ou pas? C'est chaud quand même. Je sais pas s'il me tue en viens, là, le Jaren. Ouais, je pense qu'il me tue. Je vais pas le tenter, tu vois. Il est level 18. Ok, il a tellement pas farm en plus. C'est d'aller def au top. Mais en même temps, en bot. Le baron ça les met trop bien. Ouais, le baron c'est insane. Ton baron c'est vraiment fumé de ouf. Hein. On est bien d'accord sur ça. Hein. Tirez-vous. Il y a le Alistar qui va arriver. Chiant ça. La tank il a tort pendant 22 ans. Genre j'en peux plus, tu sais. Regarde. Putain, très mal. Ouais, quand ça fait vraiment mal. Je le sens de toute façon. Après, j'ai pas 300 d'armure donc ça va. Votre tourelle a été détruite. Ouais. Alors que je pars sur un rendu une après moi. Défend au mid. Ok. Le game va être tellement. Oh là là, le Rengar qui arrive encore une fois à prendre un kill gratos là. Ils se donnent comme ça à chaque fois. Je sais pas, ils sont pas assez chauds là. Il est parti sur un statique, étonnant. Genre, j'ai plus l'habitude de voir des Rengar genre.
ultra rapide. Comme ça t'as un dash un peu plus, plus huge quand tu utilises ton ultime, c'est bien. Mon champ. Qu'est-ce qu'ils ont encore le dasher là? Ils l'ont... Non, ils l'ont plus. Oh là, frère, ils font tellement mal. J'ai obligé de leur laisser ça. Regarde quoi. Je pense que là, ça va être compliqué. La combustion en late est bien, mais genre on n'arrive pas à passer à travers leur tank. Oh lol. Plus de flash, plus de flash MF. Parfait. Ok. Yeah. Ouais, je fais un peu attention là. Il a pas été, heureusement. Ça empêche le ringard, nous met tellement de pression de ouf à lui seul. Ah bah il est méga faible. Non en fait, il est tout seul, il peut nous def. 4ème Drake dans 1 minute. Faut aller choper hein. Il est solo, je cours plus que lui hein. Good job. Je sais pas ce qu'il fout mec, il était là, il s'est caché dans le bush, il s'est dit peut-être qu'on verra pas. Écoute. Je vais te dire, je pense que oui. Secondes quand même, on va pas attendre 40 secondes comme des glandus ici quoi. Tellement d'avance au niveau des de l'XP, je comprends pas comment. Pardon. Mais quand même à ce point là, deux levels par personne mec, sur la mid lane et à des carry, ça commence à peser un peu lourd. Par le Drake. Ouais, je pense pas qu'on puisse. Ringard est top, hein. Ringard est top. Faut qu'on se groupe, faut qu'on se groupe Drake, c'est bon. Je pense qu'on peut le faire. Quatrième Drake, là, du coup, ça peut être pas mal. Attention, Ringard qui pourra arriver. Oh putain! C'est quoi cette merde de MF putain? Ils se sont pas dit écoutez les gars, le perso est un peu trop fort. Non, ça va, normal. Y'a pas un hotfix qui passe ou quoi? Non, non, ils s'en battent les couilles. Eux, c'est genre. C'est ok, c'est équilibré, je crois. Et t'as fait R et t'as enlevé quasiment 3 quarts de ta vie. Presque tu es. Je le prends entier, je pense que je meurs. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et t'as 300 d'armure. Après, j'ai pas beaucoup d'HP, mais quand même. Ah. Ouais, là, bien joué. J'ai mon gage de Starag, donc ouais, ça va. Pas fun. Le non fun. C'est un 4v4 en plus, c'est dommage. Nice, c'est pas mal. Ça va. Pas mal, c'est pas mal, j'essaie de TP derrière. Putain, j'ai pas de ward. Y'a pas de ward. Y'a pas de ward, je peux pas TP. Oh non. Putain, c'est bien. C'est grave bien, les gars. Nice. Avec Kaitlyn a pu taper un peu. Justin, Justin. Ok. Ouais. Tant que ça va, mais bon. Kate fait vraiment très très peu. Oui, je suis level 18 maintenant. Je pars sur un peu plus d'armure. Donc vraiment masse, mec, c'est abusé. Nashor 30, hein. Y a peut-être moyen de faire Nashor 30, non? Mec, on rush Nashor maintenant. Ils ont 30 secondes sur MF et 30 secondes sur Ringa. Si on le fait pas, on a perdu, je pense. Enfin, en gros, si ça marche pas. Ça... Ouais, je pense que c'est ça en fait. Mais bon. Mais mec, si genre sinon ça me passe pas, c'est chaud, hein. Ouais, mais je pense qu'il faut le faire. Hein. On est 4, ils sont 3 max. Ils ont Jarvan qui peut pas non plus faire grand chose. Je pense qu'il faut le tenter. Bon, Istar va faire très chier. S'il sort de la zone, c'est terrible. Putain, mais la quête me tape, wesh. Pourquoi elle tape pas? Putain, elle perd tellement de temps là. Là, ils arriveront pas à temps. Ils arriveront pas à temps pour le contest, je pense. Partir, là, faut que tu l'as, faut que tu l'as. Y'a pas de Ringard. Hein. Ok, nice. J'ai réussi à tuer l'autre là, solo. Non. Ça va. C'est pas grave, même si tu meurs, c'est ok. Ça fait du 1 pour 2. On a pris Nashor, c'est 100% voir ce mec. Sniping. Oh! Nice Ezreal! Ça, c'est mon petit frérot, ça! J'ai sorti MF du fight, t'as sorti Sora. Parfait. Ça va, le call était bon. Transpirer sur le snipe. Ouais.
Je sais, t'inquiète, je connais les transpirations de Smite. J'ai senti que t'étais pas bien, t'étais en mode non, s'il te plaît. Je me suis dit, si Alistar me sort, c'est mort. Ouais. Genre, moi je me suis jamais fait KS un baron en stream. Ah ouais? Ouais, jamais. Ça va, mais je stream depuis 2 ans, donc c'est quand même. Ah oui, bon. Ça va. Et moi je me fais KS au moins un par game. Quand je joue jungle. Genre, c'est très régulier. Mec. Oh, faites gaffe, Rengar. Putain, faut qu'il reste coupé. Oh non, c'est chaud. Oh le Rengar, t'avais fait tellement le taf, frère. Oh putain, c'est mon ulti, putain, une seconde. Dommage. Je pense pas finir. C'était greedy de 60 secondes. Autant. Ouais, voilà, ça a été un petit peu. Ça a été un petit peu trop loin. Anyway, 50 secondes, mec, c'est long. Hein. Putain. J'arrive à push les creeps au bot fast. Je peux pas défendre seul en plus. Hein. 40 secondes, ouais, ils vont finir là. Hein. 35. Peut-être pas. Hein. 25 Janna. Ah, non, non, ils finissent pas. Hein. 30 secondes, c'est long. Hein. Il y a 30 secondes, je vois que c'est long quand même. Pas de moins libre. Là, de toute façon, je suis obligé. Wesh, il a utilisé son ultime. Pas pas. Est-ce qu'ils vont grid? 10 secondes pour finir, je pense pas. Je pense pas qu'ils puissent. Honnêtement, si j'arrive à dépush les creeps, c'est bon. C'est le back. Est-ce que je peux là? Ok, ça va, c'est pas mal. Wesh, Jaren est seul derrière. Genre, ton... Ah oui, d'accord, l'ultime. Très bien, le Z aussi. Nice, allez le chercher. Le Z était peut-être un petit peu ambitieux, non? Le Z était peut-être un peu ambitieux sur toi. Comment ça? Tu pensais qu'il allait être. Je croyais qu'il allait turn. Bon, en fait, je me suis dit, s'il part à gauche, il est mort donc. Oui. Moi, il allait chercher à turn, mais. Non, il a rien fait. Du coup, ça fait 2 points, mec, il y a moyen là. Cette fois-ci, il y a peut-être moyen là. 2 points, les gars. Allons-y. Ah mais je pense qu'il y a moyen de finir. Hein. Vous êtes 4v3, ils ont. Ouais, ils ont Rengar. Oh non, ils ont Rengar MF, c'est chaud. Rengar c'est un monstre de ouf. Vous avez une pink ou pas? T'inquiète, une pink. La MF, il y a Janna une pink à côté. 2 pink. Ah c'est pas mal. Il y a moyen avec un inhibiteur, mec. Genre si jamais tu mets un bon stun, bon, c'est 100% la game. Ils ont 30 secondes, j'ai ma TP dans 15. J'ai ma TP dans 15, mec. Hein. Faut qu'elle pose sa ping. Ok, nice, ça va. J'ai ma TP dans 10. Non, j'ai ma TP dans 5. T'as pas moyen de le chercher lui. Mec, il a plus le gym. Il a plus le gym. Putain, j'ai mon Zonia et mon flash, je suis un con. Cette game elle a aucun sens. Ça pue. Oh là, ouf. Mec, elle a fait la ouf. Genre, mais le problème c'est qu'on arrive pas à choper ce Rengar, mec, c'est abusé. Hein. Ouais, mais il a pas poussé ça à savoir l'autre là. Ouais, il a mis beaucoup trop tard. Nice, bon ult. C'est pendant 45, les deux timers sont tellement longs. La game s'en rend. Gold Drake. Ouais, c'est chaud quand même, non? C'est pas leur jungler, y'a pas le nôtre. C'est... Si vous arrivez à le prendre, c'est gagné. Ils sont plus. C'est pas gagné. Non, c'est bon, on peut pas. Tiens. Ah putain, j'aurais pas dû mourir. Hein. Tellement mal. LOL, putain, ils ont tellement laissé leur Soraka. J'ai tellement cru. Mec, pareil, oh. Si elle vole ce Drexy, mec, on est tellement bien. C'est le style, c'est mon héros, carrément. Essayer de changer un peu de build. Un petit hydro titanesque pour essayer de tanker un peu plus là. Parce que bon, non, ça casse les couilles. Alors, Team là quoi là, il a 10-10. On peut tellement pas finir tout à l'heure, le Rengar nous retient tellement. En même temps il a 25 mec hein. Il joue tout seul. J'irai jusqu'au bout. Le temps n'est pas ton allié. Cette game n'a aucun sens. Mais au moins elle est intéressante et ça c'est bien. C'est vrai qu'elle est bien. On stoppe souvent des games genre tendues de ouf comme ça à deux. Oui. Je sais pas comment on fait. On est 45 000 de game là, on est en mode putain, ça fait de la pression. Le prochain fight il nous coûte tellement cher. Get one more pink. Bah mec, comment tu veux que je prenne une pink moi? La Caitlyn n'a toujours pas full stuff, putain. Caitlyn elle pue hein. Genre il a fait le rappel mortel mec. J'ai jamais vu l'objet de ma vie, je sais pas ce que c'est. J'avoue, il a dit rappel mortel carrément. What the fuck. No slot for pinks. Vends un truc, on s'en bat les couilles.
Il a fait une baguette, wesh. T'as cru que 40 d'AP ça allait changer le fight? Eh oui, mec, attends. Essaye de faire force sur l'ultime, lui. Ouais, c'est bon, il a forcé l'ultime, c'est bon. Non, non, pas que tu fasses choper. Ah, je t'en cassais quand même. T'as ton ultime, t'as ton ultime? Vas-y, on te tire. Ok, parfait, parfait, tire-toi juste. J'ai mon ultime, moi. Tire là, vas-y, laissez, faut qu'on te laisse back. On est plus proche de notre base que eux de la leur, du coup, ça va, tu vois. Si on prend ce genre de trade, c'est ok, encore. Par contre, là, si tu meurs à ce moment-là, là, c'est tellement chaud. Oh, ouais. Non, mais c'est genre, ils peuvent tout mettre sur moi et genre, on perd quand même le fight, quoi. Tant là, on était pas groupé, c'est genre, ils étaient en mode. Ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, quoi. Truc, je sais pas où. Bah, on est en 30. En 30 ? Oh la merde, quoi. Et de décale, du coup. Tellement prendre le contrôle du baron, mec. Pas dans notre jungle. Non, c'est bon, ils sont pas, on a l'esprit de la forêt. On défend de mid là. Faut qu'on se groupe. Putain, la team là. On devrait se grouper. On a plus de ping par contre, là c'est chiant. Nashor, par contre, s'il y a moyen de prendre un bon fight, s'il y a moyen de focus la MF et la Soraka, c'est tellement win. Le truc, c'est que c'est chaud, tu vois. Pas qu'il ne se passe un peu. Mais si force un mec, faut tenter de faire genre de push au mid, non? Est-ce qu'ils ont le temps de le finir le temps qu'on push au mid? Je pense. Ouais, j'avoue. Ça va vite. Mais ils en reculent. J'essaie de prendre la vision là. Pam go sur moi, donc c'est nickel. Non, au top, mec, il y a une wave, frère, c'est insane. On est obligé d'y aller, hein. J'ai 2200 gold, putain. Oh là là, c'est chaud. C'est 40. Headbot, I guess. Y aller là. Du coup, faut y aller maintenant. C'est pas grave si genre ils font. Par contre, il va falloir qu'on rentre dans le tas là. Clairement pas le choix. Ok, rentre dans le tas. Faut aider la team derrière. Là. Nice. Putain. Non. La MF. Nice. Putain, on est des monstres, mec. On est des monstres de ouf. On finit. Putain, cette game, mec, on s'est mis en front lane comme des boss. Ils ont tout mis sur nous. Ah, j'étais tellement mort dans ma tête. Oh là 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 là, cette game. Oh là 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 là, putain. Oh, elle était bien. Oh, elle était cool. Tu sais, oh, moi, toute cool. La game, j'ai eu peur qu'on perde pour une raison. Mais si on fait une game de 1 heure et qu'on perd, Kotei il va se foutre de notre gueule. J'avoue, mec. Mais si Kotei et Kam et tout, ils vont se foutre de nous, mec. J'avoue. Allez, putain. Frère, check-moi ça. Check-moi ça, putain. Putain, check. Oh là là, oh, c'est beau. Mec, cette game. Ah, c'était la meilleure game. Oh là là, je pense que c'est la meilleure game de l'année là. Genre que j'ai faite de l'année. Incroyable. T'as mec, t'as été chaud aussi. Bon petit ultime là. Franchement, en plus 25 il est mérité, je pense. Plus 25 il est mérité, de ouf. T'as fait combien de dégâts? J'ai eu des goals, hein, putain, je suis riche, hein. J'ai pas fait trop de dégâts, je pense. Tu vois, j'ai pas fait trop mal, genre. Ça va, c'est bien quand même. J'étais là, mec, la Caitlyn a fait moins de dégâts que moi, qu'est-ce que c'est que cette merde? Par contre, tu dois avoir tanké de ouf. Ah ça. Tu dois avoir tanké de malade. C'est dégâts subis. Putain, je suis un monstre. T'es un monstre. Je suis un monstre, j'ai fait beaucoup de dégâts, j'ai beaucoup tanké. C'est vrai qu'il a beaucoup esquivé. Putain, j'avoue, t'as été chaud de ouf. Merci. Solide. Oh, c'était bien. C'était bien la game. Elle était cool. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous l'avez kiffé cette petite game. Rengar, parce que voilà, Rengar, mec, il casse les couilles. À la fin, il a flash in, il s'est fait retourner, il a sauté dans le bush, il a flash in, il s'est fait repousser, il a redash in. J'étais en mode, mais fils de. Au final, notre petite Caitlyn est morte, mais elle servait à rien, donc tant mieux. Ouais, et du coup, on a gagné cette game. Donc voilà, sur ce, on va du coup vous mettre une courte page de publicité. Enfin, pas très courte du coup, vu que là, la game a duré assez longtemps. On va pas vous mettre 3 minutes, les amis. Donc, page de publicité, on se retrouve juste après. Il nous reste le temps de faire une ou deux games. Donc, il est actuellement 22h, on est jusqu'à 23h, donc tranquille. Donc, courte page de pub, on se retrouve juste après. Des bisous et à tout de suite. Ciao.